Eh bien, bonjour à tous. Eh bien, voilà, ça y est. Comme vous le savez, nous sommes arrivés à Paris et nous sommes le 9 mai. Alors, hier, il y a eu l'arrivée de la flamme olympique à Marseille, que vous avez pu suivre certainement sur vos écrans. Et maintenant, eh bien, je suis à Paris, à l'Hôtel de Ville. Eh bien, comme vous pouvez voir, Paris 2024, les Jeux Olympiques. Alors, on peut voir au loin, eh bien, Notre-Dame, et vous pouvez voir, eh bien, la flèche qui a été reconstruite. Et on va aller la voir de plus près. Bien, et bien maintenant, on se dirige vers Notre-Dame de Paris. Et bien voilà, là on est sur le bord de la Seine. Et comme vous pouvez voir, et bien il y a quand même pas mal de courant. Et là, et bien on a l'île de la Cité. Voilà, donc là on arrive au niveau de Notre-Dame. Et puis bien sûr, toutes les boutiques de souvenirs que vous avez là. Voilà, et bien là, on y est, sur Notre-Dame. La structure qui vient d'être construite, notamment la flèche que vous avez là, avec le coq qui a été mis il n'y a pas longtemps tout en haut, et les tours de Notre-Dame. Bien, alors là, on arrive sur le parvis de Notre-Dame. Alors voilà, et bien là, on est sur le parvis de Notre-Dame qui est bien sûr fermé, mais il y a une espèce d'estrade. Voilà, et là, on a une très très belle vue des travaux. Et surtout de la flèche qui vient d'être construite. Voilà, là on est sur l'ancienne voie rapide Georges Pompidou, qui est depuis quelques années devenue piétonnière. Et c'est vraiment... bon, c'est sympa. Alors, en fait, c'est très, très critiqué. Car effectivement, ça met des embouteillages un petit peu partout dans Paris. Mais pour nous, eh bien, les piétons, c'est vraiment sympa, comme vous pouvez voir. Ça, c'est la conciergerie, en fait. C'est le plus vieux château de Paris qui a été construit sur l'île. Et c'est là où régnaient bien des premiers rois. C'était Louis IX, Saint-Louis, celui qu'on appelait Saint-Louis, qui donnait la justice sous un chêne au bois de Vincennes. Mais en fait, c'est... Il logeait ici, voilà. C'est les premiers rois de France qui ont habité ici. Voilà, et bien c'est un restaurant Bouillon, Racine. Alors on est sur la rive gauche de Paris, près de Saint-Michel. Et c'est un restaurant vraiment magnifique, comme vous pouvez voir. Voilà, qui a été ouvert en 1906.
Thank you.